Les Palestiniens ont entamé ce mardi des travaux pour ouvrir la tombe de Yasser Arafat à Ramallah en Cisjordanie. Des prélèvements seront ensuite effectués sur la dépouille de l'ancien dirigeant palestinien pour élucider les causes de sa mort. Cette étape aura lieu à la fin du mois, en présence d'enquêteurs français et d'experts suisses. Les autorités palestiniennes ont également demandé l'aide du gouvernement russe. Yasser Arafat est mort le 11 novembre 2004 dans un hôpital militaire parisien. A-t-il été empoisonné ? Cette hypothèse a surgi il y a quelques mois. Des analyses avaient été effectuées dans un laboratoire suisse sur les effets personnels du leader palestinien. Les experts y avaient trouvé des traces de polonium. Dans la foulée, une information judiciaire pour assassinat a été ouverte par le parquet de Nanterre. Les prélèvements sur la dépouille devraient donc permettre d'en savoir un peu plus sur cette mort encore mystérieuse.